Merci d'être là à Rabelais aujourd'hui, à tous et à toutes. Je profite pour remercier la venue de toutes ces associations aujourd'hui qui montrent la diversité des combats et l'importance des combats qui sont menés sur nos territoires. Je pense que le combat, il n'est pas perdu et il faut poursuivre le combat. Avec l'évasion fiscale d'une année, on règle la question de la dette de la SNCF qu'elle a emmagasinée depuis plusieurs décennies. Et vous résignez pas, vous ne pas se résigner. La disparition des services publics, c'est pas obligatoire. Ça dépendra des négociations qu'on est capable de voir. Ne vous résignez pas. Il y a Bure, mais il y a aussi toute une nucléarisation du territoire. On nous met des projets partout, des plateformes de maintenance nucléaire. Ne vous résignez pas. Si on ne se bat pas, si on ne lutte pas, on ne gagne pas. Je pense que le combat, il n'est pas perdu et il faut poursuivre le combat.